Nous sommes actuellement sur le salon Idées au Bain Paris Porte de Versailles 2010 et sur le stand Weber. Je suis ici avec monsieur Emmanuel Zanetta qui va nous présenter sa société en quelques mots. Sì, la rubinetteria Weber è stata fondata da Carlo Zanetta, mio padre, nel 1975. È un'azienda attualmente di proprietà della famiglia Zanetta e produciamo interamente i nostri prodotti in Italia e siamo una delle poche rubinetterie italiane a produrre interamente all'interno dello stabilimento di Maggiora. Abbiamo 80 dipendenti e la fatturiamo circa 12 milioni di euro. Lavoriamo in Europa, negli Stati Uniti e in Australia. Per il mercato francese abbiamo incominciato la distribuzione 3 anni fa e dopo la nostra responsabile spiegherà come siamo organizzati. Je me trouve actuellement en présence de madame Michela Palatucci, responsable du marché français. Alors Michela, pouvez-vous nous dire quelle est la raison de votre présence sur le salon Idées au Bain? C'est un salon dédié au marché français et c'est pour ça que nous voulons y participer pour nous faire connaître. Quelles sont les principales nouveautés donc sur ce salon en 2010 et les nouveaux concepts? Alors cette année, on présente la gamme Lotto, qui est une gamme qui s'inspire à la nature, soit pour la forme et soit pour le nom, qui vient du fleur Lotto. C'est une gamme avec une forme très épurée et très élégante. Weber, c'est pas que du design, c'est aussi solutions techniques, comme ce bouton inverseur très discret. C'est aussi produit pour la cuisine, comme le mitigeur 360 degrés. Puis nous présentons la gamme AZ Cristal, qui est une gamme très minimale et moderne, mais embellie des cristals Swarovski originaux. J'espère que la visite du stand Weber vous a plu. Vous pouvez retrouver toutes les nouveautés sur www.weber.it.